Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée dans le cadre d'un projet départemental de Sévrien. Le théâtre, ça se lit aussi. Alors, pour cet exercice, les duos sont placés en vis-à-vis, comme précédemment, mais à chaque fois qu'un acteur dit une phrase, il va faire un pas en avant. Qu'est-ce que tu veux, Minus ? L'autre jour, à la sortie de l'école, je t'ai vu. Bon, ben, c'est bien. Tu m'as vu, tant mieux. Et tu veux ma photo ? Non ? Alors, dégage, Minus. En fait, je voulais savoir... Quoi ? Tu voulais savoir quoi ? C'était qui ? Qui ? Le garçon ? Quel garçon ? Celui avec qui t'étais ? Tu me surveilles ou quoi ? Non, simplement je voulais savoir. Un copain ? Un copain ? Ouais. Et pourquoi tu lui tenais la main ? Je t'en pose, moi, des questions. C'est ton petit copain ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Demande, c'est tout. La curiosité est un vilain défaut. Donc c'était ton petit copain. Tu me lâches, c'est pas tes oignons, d'accord ? Toujours dans la même disposition, c'est-à-dire en vis-à-vis, cette fois-ci, un lecteur va s'avancer, essayer d'adresser la réplique à la personne qui est en face de lui, et une fois qu'il a parlé, va prendre sa place. La personne dont on a pris la place s'avance à son tour vers un autre acteur, dit sa phrase, va prendre sa place, et ainsi de suite jusqu'à la fin du dialogue. Salut. Salut. Tu t'appelles comment ? Mais tout le monde m'appelle Crevette. C'est drôle comme surnom. Et toi ? Mais tout le monde m'appelle Crevette. Pourquoi ? Parce que quand je fais de la danse avec mon tutu, mon père dit toujours que je ressemble à une crevette rose. Tu fais de la danse ? Ouais. Ah ouais ? Moi, je fais du karaté. Ah ouais ? Je suis ceinture jaune. Tu me fais une démo ? Là, comme ça ? Pourquoi ? T'as peur ? Non, mais j'ai pas le tapis. Ouais, t'as peur ! Bon ? Alors, vas-y. Bon, d'ac. Autre disposition possible, on va l'appeler en jet d'eau, c'est-à-dire que les élèves, face au public, vont fermer deux colonnes, une colonne A, une colonne B. Chaque colonne est un personnage. Le premier acteur dit la phrase et va se placer à la queue, derrière les autres, pendant que les autres avancent. Vous allez voir sur l'exemple qui suit, c'est assez clair. Et n'oubliez pas que si c'est difficile de travailler avec un livre, vous pouvez découper, séquencer un dialogue et donner une phrase sur une bandelette de papier à chaque élève. Qu'est-ce que tu regardes ? Rien. Ah bon ? J'ai les yeux dans le vide. Ah bon ? Oui. Est-ce qu'ils vont tomber ? De quoi ? Tes yeux ? Non. Alors pourquoi tu dis qu'ils sont dans le vide ? C'est une expression pour dire que je ne regarde rien de particulier. Alors moi aussi, je vais faire comme toi. Si tu veux. Je vais mettre mes deux yeux dans le vide. J'y arrive pas. Ah bon ? Oui, il y a toujours quelque chose qui accroche mon attention. Ça viendra. Ah bon ? Avec le temps. Aujourd'hui, ma maman était très triste. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était très triste, elle a été encore plus triste.
Moi, j'ai pas l'habitude de voir ma maman très triste. J'ai pas l'habitude de la voir pleurer. Et ça m'a fait de la peine de voir ma maman triste qui pleurait au gros bouillon. Quand elle a réussi à se calmer un peu, elle m'a dit qu'elle était triste parce que ma mamie s'était endormie pour toujours. Et puis, elle a de nouveau été encore plus triste qu'avant. Ça n'arrêtait plus de couler de ses yeux, des larmes grosses comme des pierres. Elle avait les yeux tout rouges. Alors mon papa m'a expliqué que ma mamie était partie pour toujours et qu'elle ne reviendrait plus jamais. Qu'elle était morte, en fait.